avec le port norvégien. C'est le moment. Il est allé chercher la victoire avec son cœur, avec son courage, avec ses tripes. Il avait envie de gagner l'épreuve d'aujourd'hui. Il savoure déjà. Il est à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. C'est donc Ika Rottersen qui va être le vainqueur de l'épreuve. Voilà, l'écart est trop conséquent. On va sprinter pour la deuxième place et on va voir. Le voilà, l'ovation du public sur la ligne d'arrivée pour Ika Rottersen. Superbe vainqueur, le port de l'équipe UNOX, vainqueur de l'épreuve du jour. Voilà, le port norvégien, 23 ans, qui est allé chercher avec un formidable tempérament la victoire dans l'épreuve du jour. Et maintenant, on attend le sprint pour la deuxième place. Il y a donc Erada, on retrouve Sander Armé, on retrouve également Paul Ursula. Il y a Romain Hardy dans le groupe et attaque de l'arrière. Maintenant, ça va très vite pour aller chercher le podium. Et la deuxième place qui revient donc à Jesus Erada, le troisième et deux buts, le vainqueur de l'année dernière. Donc le podium à la première place. Donc le jeune coureur norvégien, donc Ida Rottersen, deuxième, Jesus Erada. Et le troisième est Stan de Wulf. Et l'arrivée du peloton réglé par Julien Simon, le plus rapide, qui se permet de devancer au sprint. Axel Ziegler,